Oui, partager le direct là, partager le direct, partager le direct. Ici, c'est le Grand Prince Andrea et je vais vous entretenir sur des sujets très importants aujourd'hui. Donc, partager le direct, s'il vous plaît. Partager le direct. Oui, bonjour, Edith, comment tu vas? Attendez, je vais mettre un peu la musique là. Parce que c'est confirmer le volume. Oui, comment tu vas? Mais j'attends que les gens se connectent. Je ne vois pas mon ami Basile Debols de Londres connecté. C'est Basile que j'attends, hein, se connecter. Bonsoir. Ici, c'est le Grand Prince Andrea. Je n'avais pas programmé faire direct aujourd'hui parce que très souvent, je le fais le dimanche ou en semaine. Mais là, il y a des informations très importantes à partager avec vous. Alors, comme vous savez, chaque fois que j'ai une information importante, je viens sur la toile pour partager avec vous. Avant de commencer, je voudrais d'abord faire un petit coucou tous ceux qui me suivent depuis plusieurs années. Et je voulais profiter pour réagir par rapport à ceux qui m'ont envoyé des messages en privé concernant la déclaration que j'ai faite la dernière fois sur le président Brice Camteau et Pendé Coca. Vous m'avez envoyé beaucoup, beaucoup, de tonnes de messages. Et alors, je vous avais promis que je vais faire des enquêtes sur beaucoup de choses que vous m'avez dit et j'ai
fait ces enquêtes-là. Et je viens aujourd'hui vous lire la sentence. Je vais vous dire qui a fait quoi et qui manipule qui et qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Avant de commencer, je vais d'abord essayer de donner, vous savez que sur la toile aujourd'hui, c'est le cas de Baranté qui nous préoccupe au plus haut point. Je vais ici interpeller ma grande sœur, la ministre Cortès, Moussa Cortès, pour dire que ça fait de la peine. Pour une grande sœur qui, n'est-ce pas, essaie de tenir son image. Elle est ministre du gouvernement de Paul Biya et aujourd'hui elle est en train de créer des problèmes à Baranté. Et vous savez l'amour que j'ai pour Baranté, Baranté et le pays Bamonde, on a une histoire. Et voilà, quand un problème dérange Baranté, et bien ça nous affecte aussi dans le pays Bamonde. Donc vous savez. Alors, Madame Cortès a créé des problèmes et le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est elle qui a créé tous ces problèmes. Et je crois que selon les informations que j'ai reçues, vous savez, je n'aime pas souvent mêler les problèmes des DPC parce que c'est une partie qui ne m'intéresse pas, mais je préfère quand même parler de ça parce que je suis un peu gêné et peiné parce que ça c'est à l'ouest que ça arrive. Vous savez, quand ça se passe dans le sud et ailleurs, on n'est pas trop intéressé parce que c'est entre eux là-bas. Mais quand c'est chez nous, et on est un peu gêné et préoccupé pour ça. Madame Cortès, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil en tant que votre jeune frère? Je pense qu'il est temps que vous preniez un peu du recul par rapport à votre village. Alors, quand on est ministre de la République, on n'est pas ministre d'une région. Alors, en tant que tel, Madame Cortès, vous êtes ministre de la République. On n'avait plus à vous mêler des problèmes du village. Moi, c'est ce que... je sais, je connais l'amour que vous avez pour le pays Bamonde et l'amour que vous avez pour ma famille et précisément mon père. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis gêné parce que quand ça arrive comme ça, on est gêné, ça nous dérange. C'est tout à l'ouest. Vous savez, comme j'ai toujours dit, l'amour que je porte pour Baranté, on a une histoire. Alors, donc, ça me fait la peine. Alors, je demande à Madame Cortès, franchement, de prendre votre distance et de laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Il est évident que, selon certaines personnes, ils disent que vous voulez encore revenir comme maire, puisqu'il est. Je parle au conditionnel, hein, que vous ne serez plus dans le prochain gouvernement que je vais parler tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que vous bataillez pour peut-être revenir pour l'avenir de Baranté. Mais je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est moi. Madame Cortès, vous avez fait beaucoup de choses qu'on apprécie à juste valeur dans Baranté. Mais ministre, aujourd'hui, on apprécie ce que vous faites. Mais même comme parfois vous avez des comportement parfois sujet à caution. Alors donc c'est pour ça que je voulais vous interpeller aujourd'hui, Madame Cortès, de vraiment de laisser les gens de Baranté élire le maire. Parce que vraiment, votre nom, manipulation et les gens que vous appelez, tout ce qui se raconte sur la toile, n'ont pas votre image. Donc c'est un peu ce que je voulais dire, conseil que je voulais donner à ma grande sœur. Madame Cortès, ministre de Paul Biya. Maintenant, je voulais vous dire ici aujourd'hui que avec les milliers de messages qu'on a envoyés sur ma boîte privée, en privé, je veux dire, j'ai fait des enquêtes. Mes enquêtes que je fais. J'ai fait des enquêtes entre le président Moïse Kamto et Paul-Éric Lingué. Ah, excusez-moi, lapsus.
Penda et Coca. Excusez-moi, ça arrive. Et je peux déjà vous dire qui a fait quoi, qui a investi quoi pour suivre le Cameroun. Je vais commencer par Kamto. Le président Maurice Kamto a investi plus de 150, parce que je vais dire moins de 150 millions de son argent propre pour acheter ce qu'on a plus appelé en anglais générateur. Et il a fait de dons personnels. Ça, c'est des enquêtes que moi j'ai vérifiées. Moi, on m'a posé beaucoup de questions, on m'a envoyé beaucoup de messages pour demander bon, oui, le président Kamto n'a plus aucune crédibilité par rapport à cette histoire de ce Cameroun, machin et tout ça. Je peux déjà vous dire aujourd'hui, à tous les 25 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde, que le président Maurice Kamto a investi son argent propre. Plus de 150, je dirais, en tout cas, 150 millions, peut-être moins de 150 millions. Sur son argent propre. Sur le Cameroun. Il a cotisé comme moi j'ai cotisé. Comme vous autres, tous ceux qui m'envoyez des messages, comme vous avez cotisé. J'ai fait mes enquêtes. Je me suis rendu compte que il y a beaucoup de choses qui se disent sur la toile. J'ai pu entendre que Penda et Coca n'est pas content de ce qui s'est passé parce que beaucoup de Camerounais lui ont envoyé des messages pas très corrects. Qu'il n'a pas prouvé, qu'il trouve que Kamto ne l'a pas suffisamment défendu sur la toile. Je crois que je vous avais parlé de ça l'autre jour, j'ai interpellé le grand frère Penda et Coca pour dire que oui, je veux bien que vous preniez que les gens se soucient, vous jettent des pierres. Je n'ai pas répondu à ça, mais c'est moi. Monsieur grand frère, parce que je veux revenir dans le cas de Kamto, parce qu'il y a confusion quelque part, et il faut que ce que nous appelons en anglais, I want to see the record. Penda et Coca a au départ donné l'impression que tout allait bien. Il a donné des indications. Il a eu la confiance du président pour le Kamto. Il a été nommé pour la circonstance. Aujourd'hui, nous sommes forcés de constater avec amertume et désolation que le résultat escompté par le président Maurice Kamto n'est pas au rendez-vous. Je m'explique. Vous avez envoyé des messages, vous m'avez envoyé des messages, il y en a qui sont pas, qui n'ont pas été tendres. Moi, je parle en tant que contribuable, parce que j'ai cotisé. Ça, je ne suis pas en train d'amuser la galerie. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à ça. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, mes chers frères, mes chers compatriotes, c'est que je ne suis pas là pour tirer sur Penda et Coca, ou bien pour tirer sur Maurice Kamto, pour ces problèmes de 100, je ne sais pas si c'est 100 millions, je ne sais pas combien là. Je suis là pour confirmer les enquêtes que j'ai faites. Par rapport au message que m'avait envoyé partout dans le monde. Alors, d'autres personnes m'ont envoyé ça en me disant que oui, quand on n'est plus crédible par rapport à ces problèmes. Et je peux vous dire que quand on a cotisé plus de 100 millions de francs, peut-être en fait entre 150 ou 140 millions de francs de son argent propre. Il faut le faire. Alors, je ne pense pas que quelqu'un qui a travaillé au Cameroun avec le président Paul Biya, ministre délégué, a fait juste pas combien d'années dans le gouvernement camerounais et a pris la décision de se retirer et former sa formation politique et combattre l'injustice du Cameroun. Ce n'est pas, je dirais plutôt que ce n'est pas péjoratif
de faire ce que Moïse Kamto a fait. Moïse Kamto a pris la décision. Je dis bien la décision. Il s'est sacrifié. C'est un monsieur, j'ai toujours dit, ce n'est pas pour lui faire la publicité, c'est que j'ai toujours dit que Moïse Kamto est à la vie des besoins. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé son propre parti pour survivre, comme ce que je vois au Cameroun. Vous avez vu, il y a quoi, plus de 300 partis, et je dirais même plus, partis politiques au Cameroun, créés par le régime en place pour essayer. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé, pourquoi Moïse Kamto s'est soucié davantage des Camerounais. Et bien d'autres. Parce qu'il a vu l'injustice. Et il a fait des 10 régions du Cameroun par rapport aux élections précédentes. Il a fait tous les 10 régions du Cameroun. Il a trouvé pendant que 40 ans de règne de Paul Biya. Je n'ai rien contre Paul Biya parce que je vais revenir la nuit. Je vais revenir sur Paul Biya après. Je n'ai rien contre Paul Biya. C'est pas un problème de personne. C'est un problème de mal vivre et de qu'on appelle la gestion de notre bien quotidien. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que Moïse Kamto, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous m'envoyaient comme message en disant que Moïse Kamto est dans le gouvernement. Oui. Il travaille dans le gouvernement pour servir son pays, ce qui est normal. Mais moi, par exemple, moi, je ne veux pas travailler dans le gouvernement pour bien. Dieu sait ce combien de messages que je reçois de la part du gouvernement qui m'interpelle pour que je vienne les aider. Moi, je n'ai pas besoin parce que je suis à la vie des besoins. Je l'ai toujours dit. Mais ce que je dis ici aujourd'hui, avec toutes ces polémiques, je dirais à la main vite pour que les gens interprètent de leur manière. Je ne veux pas, contrairement à certaines personnes, je ne veux pas ici insulter Pendekouka. Moi, je vais juste me poser certaines questions. Mon cher grand frère, le président Moïse Kamto a investi, je dis encore, je répète encore une fois de plus, qu'a investi plus de 100 millions de francs de son argent propre. Mon cher grand frère Pendekouka, vous avez investi combien pour suivre le Cameroun de votre poche? C'est ça que le Cameroun demande. C'est pas moi. C'est quand le Cameroun demande. Moi, j'ai investi, là. J'ai mis l'argent. Mais je me plains pas. Je sais que ça a aidé des gens. Maintenant, le reste, maintenant, les autres commentaires, maintenant, pour moi, c'est accessoire. Mais ce que moi, je vous demande, mon cher frère, grand frère, Pendekouka, c'est que vous avez investi combien de votre argent? Deuxièmement, pourquoi vous n'avez pas fait le compte et fait le rapport au président Moïse Kamto, puisque c'est lui qui vous a nommé. Je suis votre déclaration quand le président Moïse Kamto vous a nommé. Vous avez fait une déclaration dans les médias au Cameroun. Vous avez apprécié cette nomination, vous avez promis, fait des choses pour aider les Camerounais. Ça va de soi. Je ne suis pas en train de vous accuser. Je ne suis pas en train de vous accuser. Pendekouka, grand frère. Mais je suis en train de me poser la question, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent qu'on a contribué. Il était question que vous vous rendez à Yaoundé, puisqu'il y avait une conférence à faire avec le président Moïse Kamto. Vous avez refusé. Pourquoi vous avez refusé d'être avec le président Kamto pour faire cette conférence? Il y a beaucoup de questions. C'est pour ça que beaucoup de gens s'interrogent. Alors, si moi je peux vous dire ici aujourd'hui que le président Moïse Kamto a investi son argent propre de plus de 100 millions, ce n'est pas. Et il avait promis, donner, dit aux Camerounais, et je dis, dit la vérité aux Camerounais. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à Pendekouka.
Nous sommes au courant, M. Penda et Coca-Cœur, vous avez demandé depuis un moment qu'il faut que Joko en France, le représentant de Joko, le représentant de l'MSC en France qui gérait le compte. Vous avez demandé à Maurice Kamto de qu'on enlève. Apparemment, le président Maurice Kamto n'a pas voulu. Parce qu'il a trouvé que peut-être que ce monsieur n'a pas volé. Vous avez les informations que nous avons vu que vous avez demandé au président Maurice Kamto, de remettre le code à deux personnes que vous avez envoyées pour surveiller le compte PayPal. Au départ, je dis bien au départ, Joko ne voulait pas donner ce code. Vous avez interpellé le président Maurice Kamto, que le président Maurice Kamto vous donne, que le président donne le code à vos amis, que vous avez envoyé deux personnes. Je n'ai pas envie de donner le nom ici, parce qu'on a le nom. Que ces deux personnes donnent le code, que Joko donne le code à ces deux personnes. Au départ, Maurice Kamto ne voulait pas. Mais à la fin, il a fait pression sur Joko. Ça s'appelle Joko, je dis bien, parce que c'est un pronom de nom correct pour les gens sans dette. Et Joko, bien c'est Joko, a été obligé de donner le nom, de donner le code à ces deux personnes qu'on avait envoyées, qui se trouvaient être vos sympathisants, de votre parti apparemment. Alors, nous avons suivi depuis un moment, nous avons suivi ce qui s'est passé sur la toile. Mais il y a un problème qui se pose. C'est vous, mon cher frère, mon cher grand frère, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui recevez l'argent pour faire ce que vous avez fait. J'ai pas envie de dire que vous êtes en train de peut-être cacher quelque chose, mais j'ai envie seulement de vous dire que les gens que vous avez appelés pour faire l'audit et tout, pourquoi cette personne ne parle pas dans les médias ou dans le machin? Puisque c'est devenu là la mort aujourd'hui. Le président Maurice Kamto avec qui vous avez toujours communiqué par téléphone, machin et tout, et que du coup, c'est maintenant par voie médiatique que vous communiquez, ce qui est plutôt désolant pour l'amour et pour l'amitié que le président Maurice Kamto avait pour vous. Je sors ici pour témoigner pour Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que j'ai vérifié toutes les informations et j'ai pu obtenir pas mal d'informations que je vais peut-être avoir l'occasion de partager ça avec vous dans les prochains directs. Mais comme j'avais programmé faire ce direct aujourd'hui, je dirai à la va-vite. Alors je vais vous dire ici aujourd'hui qu'il y a lieu de se poser la question, savoir. Je suis parti d'accuser le grand frère Penda et Coca. Que Penda et Coca, j'aimerais savoir ce que vous avez cotisé pour si ça va Cameroun. Parce que moi, je peux témoigner pour Cameroun parce que j'ai les documents. Ce n'est pas moi qui vais publier les documents, les factures, que j'ai tous les documents ici avec moi. J'ai tous les documents, les transferts, l'argent et tout ce que Kamto a acheté en Europe. J'ai tout ici. Monsieur Paul Penda et Coca, j'aimerais que vous m'envoyiez aussi ce que vous avez fait pour vous. C'est que ça, c'est ce que Kamto, lui, il a acheté avec son argent. Il pouvait garder son argent et dire que je sais pas mon anglais parce que bon, tout souvent, tendance à parler comme on parlait en Amérique. Donc, sans oublier qu'il y a quand même beaucoup de Camerounais, des personnalités camerounaises qui nous suivent. Et parfois, de temps en temps, on mélange un peu l'anglais américain avec l'anglais du Cameroun. Donc, c'est un peu gênant pour ceux qui ne sont pas habitués. Bon, donc, j'ai un peu léger à sa tête. Je vous dis que j'ai tous les documents, les transferts de Maurice Kamto. J'aimerais avoir.
J'ai cherché partout, partout, pour vous, grand frère. Je n'ai pas trouvé. J'ai vu tout à l'heure, avant le direct, j'ai suivi quelqu'un, des gens qui ont écrit des choses pour dire que le présent, parce que toi, avait écrit quelque chose pour démentir que peine de programmation et tout. Et ça verrait être une information fausse, puisque j'ai vérifié quand même. Vous savez, moi, une information, quand moi j'ai une information importante, je vérifie. Et quand c'est confirmé, et puis je passe ça avec vous. C'est ce que je vous dis. Bon, voilà donc mon cher frère, grand frère, père de Coca. Nous avons des informations, hélas. Les informations que nous avons, et je n'ai pas aussi, bon, grand frère, ce n'est pas un manque de respect que j'ai envie de donner cette information, mais c'est juste pour que les Camerounais se situent. Il y a un nouveau gouvernement qui se profile, qui se prépare dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peut-être avant la fin de ce mois. J'ai déjà l'information, j'ai des informations comme quoi le président a plusieurs pris la décision, mais je ne peux pas vous dire quand et le jour exact. Et dans cette information que je reçois, il se pourrait que vous serez membre du gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas faire un direct aujourd'hui. Quand je reçois cette information des sources crédibles, j'ai tout de suite compris que j'avais un problème, qu'il y avait un problème, et que je voulais partager avec tous ceux qui ne suivent pas partout dans le monde ce qui se passe et ce qui se prépare. Alors, mon cher grand frère, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Parce que j'ai des documents là. J'ai la liste de gouvernement ici. Et je vois votre nom. Ici. La liste. Et je vois votre nom, monsieur. Et je vais encore vous dire ce que j'ai comme information. Vous êtes en train de faire une alliance avec le Saint-Germain, avec ton parti et le parti de le Saint-Germain. Je n'ai pas le problème avec ça, grand frère, je m'excuse. Hein. Ça, c'est l'information que j'avais promis à mes frères, mes sœurs, qui me font l'honneur de me suivre depuis pratiquement 20 ans, qu'à chaque fois quand il y a un événement sérieux chez nous, eh bien, on partage ensemble. J'ai ce privilège d'avoir des informations. Alors donc, c'est pour ça que je suis obligé de partager avec la majorité des Camerounais. Alors, monsieur Pené Coca, est-ce que vous pouvez démentir cette information que je donne? Et si oui, j'attends votre direct dans les prochains jours. Je ne sais pas, ce n'est pas pour manquer le respect, monsieur le grand frère, mais c'est juste pour que les Camerounais se situent et connaissent votre position. Parce que ce qui m'a un peu gêné dans votre position, votre réaction par rapport à la conférence de presse que le président de comme toi a fait l'autre jour, m'a interpellé. Et c'est pour ça que moi, je ne sens pas quand je n'ai pas quelque chose. Je ne veux pas tout le temps m'afficher parce qu'il faut parler, c'est pour amuser la galerie. Non, je sens quand j'ai quelque chose. C'est pour ça que... Alors, est-ce que vous pouvez démentir que vous êtes déjà en contact avec jamais? Alors, si c'est le cas, aidez-nous à comprendre. Est-ce que le gouvernement camerounais... Parce que je sais que le gouvernement camerounais ne dort pas. Est-ce que le gouvernement camerounais... ne vous a pas contacté. C'est cette façon que moi j'ai. Je suis en train de partager ça avec les Camerounais. Si oui, Pené Coca, grand frère, ça me fait mal parce qu'on se rencontrait quand on était aux États-Unis. À
Vous pensez que ça a fait la peine. Avec tout l'amour. Vous avez fait la prison avec le président Moïse Kamto. Et comme, bien comme j'avais prédit pour Paul-Éric Nguet que le gouvernement va finir avec lui. Vous avez vu comment il a fini, non? Mais je vais encore vous croire hein, que peut-être que peut-être qu'on m'a menti, mais l'information qu'on m'a donnée, votre nom, je vois votre nom, ministre. Je ne vais pas dire quel poste de ministre, mais c'est que vous allez avoir. Donc vous avez démissionné, vous avez fait la prison et vous vous êtes battu pour, avec le président Kamto, et qu'aujourd'hui vous rentrez encore faire la même chose. J'attends la réponse. Hein. Ce n'est pas moi, c'est Cameroun qui demande. Alors quand le Camerounais me pose des questions souvent, parfois quand je n'ai pas d'information, je ne donne pas d'information, mais quand j'ai l'information, je partage avec. Voilà l'information que j'ai, chez grand frère. Maintenant, pourquoi vous avez des contacts avec Célestine Djamel? Fait fusion, non? Hein? Vous avez remarqué que le parti de Djamel a été légalisé quelque temps, même après machin et tout, bon, on comprend tout. Mais vous avez vu qu'il y a Biloua Ourevanyemis, qui a démissionné de l'EDPC. Depuis qu'il a déposé sa légalisation de son parti, c'est encore l'étude. Hein. Mais par contre, l'autre a été fait en 24 heures. On comprend pourquoi. Donc c'est pour ça que je voulais partager l'information. Et je voulais que le grand frère que vous êtes, que vous m'aidez à comprendre. Parce que si c'est le cas, beaucoup de Camerounais qui vous aiment, vraiment, ils vont vraiment se prendre la tête. Parce que je peux vous dire ici aujourd'hui que 90% des Camerounais de la diaspora camerounaise et encore au Cameroun, je dirais même 90% des Camerounais au Cameroun, détestent, je dis bien, déteste le régime en place parce que 40 ans de règne de notre président, je ne suis pas contre lui, hein. 40 ans de règne, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois, 40 ans, c'est toute une vie. Et nous avons le bilan comme nous avons. Et c'est pour ça que les Camerounais ne sont plus avec le régime en place. Et c'est pour ça que la majorité, la diaspora camerounaise y compris, et comme je vous avais dit, compris ma soeur Apollinaire Ngono en Belgique, qui est de Yaoundé même. Elle n'est pas d'accord de ce qui se passe. Pourtant, elle est du Sud. Vous allez voir sur la toile ceux qui sortent pour ventiler ou bien vilipender des fausses informations, essayer de donner l'image positive du régime en place. Ce sont des gens qu'on paye. Moi, on ne me paye pas. Hein. Moi, je lutte. Je ne lutte pas parce que j'attends quelque chose du gouvernement camerounais. Le Cameroun n'a rien fait pour moi. Mes parents ont fait beaucoup de choses pour moi. C'est mes parents qui m'ont envoyé au pays des Blancs. Donc, je n'ai pas, j'attends rien du gouvernement camerounais. Je l'ai toujours dit. Donc, si on prend ces positions, bon, tous ceux qui ont eu l'habitude depuis pratiquement 20 ans me suivre, qui me suivent depuis pratiquement 20 ans, savent que j'ai eu tellement de problèmes quand j'ai position pour Maurice Kamto. Je n'ai pas pris position pour Maurice Kamto. J'ai pris position au programme politique de Maurice Kamto. Et ça m'a fait, ça m'a valu ce que vous tous, c'est bon. Je ne vous apprends rien. Tout le monde est au courant. Ça, c'est ce que j'ai vécu par ma propre famille. Donc, j'ai dit ici que il y a Teba, Franck Ourevanyemis, Nguidi, bien d'autres. Quand ils ont créé le MSC, ils ont créé le MSC pour faire le chantage et des PC. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, je fais juste une parenthèse pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Quand ces gens-là ont créé le MSC, ce n'est pas moi qui ai appelé le MSC. On a fait appel à Moïse Kamto quand il a démissionné du gouvernement. Vous connaissez la suite. Et cette personne avait créé pour faire chantage pour pouvoir
bouffer l'argent, prendre l'argent du gouvernement et tout, et tout, et tout. Et quand Maurice Kamto a pris, il a dit que non, moi, on crée le parti, c'est le parti d'opposition, ce n'est pas le parti pour faire chantage au gouvernement. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que ces personnes ont traité Maurice Kamto de tout le nom. Pourquoi? Parce que ces personnes, comment dirais-je, c'est des gens qui veulent le pouvoir. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous... Je ne vous apprends rien, mes chers compatriotes, que Aïtéba, Franck Aïtéba, what do I name is, a fait des sites directs. Il est dans tous les médias comme on peut, Kamto de tout le nom que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, il a dû demander pardon à Kamto. Je vous avais dit ici, sur la toile, que si moi je me suis intéressé au programme politique de Maurice Kamto, c'est parce que son programme politique m'arrange pour le devenir de mon peuple, en l'occurrence le peuple Bamoun, le peuple de l'Ouest. Donc j'en fais partie. Je suis comme monsieur tout le monde, ceux qui, n'est-ce pas, se considèrent comme gens de l'Ouest, ceux qui vomissent les gens de l'Ouest. Ce qui est plutôt bizarre. Je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec les problèmes de ceux qui ont fait la délation de Maurice Kamto, le fonds de commerce. Et je suis très sensible parce que je crois que moi, à la place de Maurice Kamto, je crois que j'arrive à me tuer. Eh bien, écoute, si jamais tu m'as désigné comme ton héritier, eh bien, il faut que tu enlèves mon nom, parce que je ne peux pas supporter ce que tu endures. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ici, aujourd'hui, que ces personnes ont créé ces partis pour faire chantage, et aujourd'hui, ils sont où? Donc, je fais ici appel à Penda Ipoka. On vous a vu travailler pour le gouvernement. Vous avez été le conseiller du régime. Vous êtes un monsieur, vous avez quand même l'éducation, vous avez tout ce qu'il faut. Si vous vous intéressez à ce poste de ministre, vous serez grillé, on va vous griller, les Camerounais vont vous griller. Quand on avait dit qu'il n'est pas là pour chercher le pouvoir, mais il est là pour défendre l'intérêt du peuple camerounais. Et c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que nous, on recherche. Nous avons vu les opposants de Pakoti au Cameroun. C'est pour ça que je ne me suis plus jamais intéressé à la politique du Cameroun. Je me suis intéressé à la politique du Cameroun depuis que je me suis rendu compte qu'on avait en face de nous un opposant crédible. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la politique du Cameroun. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Vous savez, voilà, tous ceux qui, n'est-ce pas, essayent de se prostituer pour des prunes, c'est-à-dire prendre les miettes, comme il y a un ministre de l'Ouest qui se prostitue pour des prunes, là, fait des déclarations un peu fantaisistes pour défendre un bilan négatif de 40 ans, ça me fait rire. Et ça fait rire beaucoup les Camerounais. Donc, c'est pour vous dire que le bilan de Kamto jusqu'à ce jour est positif. Et je crois que Kamto a été trahi par beaucoup de ses collaborateurs. Mais il a quand même des gens qui le soutient. Les gens qui sont avec lui jusqu'à la gare, j'ai parfois pitié de tout ce que j'entends, de toutes les insultes que j'entends ici et là. Mais hélas, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce que je peux, j'interpelle ici le grand frère. Si tu peux venir, grand frère,
avec vos techniciens, machin, et puis voir. Parce que nous, on a eu, comment on dit en Amérique, nous, we move on. On ne gère plus les histoires de COVID, whatever. We move on. On n'est plus là pour prendre un truc avec les machins. On a déjà fini, on passe à autre chose maintenant. On prépare maintenant la tenance politique au Cameroun. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Maintenant, les 100 millions là, tout ça, machin, si c'est le niveau de certaines personnes au Cameroun, ce n'est pas le niveau de la diaspora. La diaspora a de quoi survivre, donc on n'a pas ces genres de problèmes. Même si on n'a pas de quoi survivre, il y a quand même le gouvernement qui est là, qui s'occupe de nous. Enfin, quand on est résident, bien entendu. Alors donc, c'est ce qui n'est pas encore au Cameroun. Voir quelqu'un sacrifier sa vie, comme c'est le cas aujourd'hui, abandonner sa profession, avocat de son état, avec tout ce que ça comporte, se battre pour vous. Parce que si le Cameroun est bien demain, ce n'est pas Kamto qui va profiter seul, ou bien ses enfants, c'est tout le Cameroun, les 30 millions de Camerounais. Qu'est-ce que Bibou Sack fait en prison? Qu'est-ce que Alain Fouquet fait en prison? Qu'est-ce que Paul Chouta fait en prison? Tous ses opposants, ambassadeurs au Cameroun, fait quoi en prison, monsieur le président, pour le bien? Voilà, c'est ce que nous vivons. Et c'est ce qu'on dénonce. Ça me fait la peine. Moi, je parle parce que j'ai payé les impôts au Cameroun, moi. Moi, j'ai eu des entreprises. J'ai mis 1500 personnes pour moi. Donc, j'ai payé les impôts au Cameroun. Et mon impôt, là, c'est où? Donc, j'ai eu des menaces de certaines personnes où ils ont dit que quand je vais arriver, ils vont venir au palais chez moi à Foubaine, m'arrêter et m'humilier devant mon père au palais royal à Foubaine. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est déjà. Et parfois même le gouvernement n'est même pas au courant de tout ça. Pourquoi? Parce que les gens, tous ceux qui parlent bien de Kamto, c'est des gens à abattre. Moi, je n'ai rien contre le gouvernement. Mais tout ce que j'ai, c'est que je suis rendu compte que ce gouvernement n'a rien fait en 40 ans pour le peuple camerounais. C'est ça qui me prend la tête. Et c'est pour ça que je prends position pour l'opposition. Mais si le gouvernement peut bien travailler depuis 40 ans au pouvoir. J'avais milité, c'est la première personne qui va militer pour le NDPC. Voilà Ouattara en Côte d'Ivoire. En moins de 10 ans, il a rendu la Côte d'Ivoire. Et bien, je demande à tous ceux qui, n'est-ce pas, ont la myopie intérieure pour reconnaître au moins quelque chose. Allez en Côte d'Ivoire, voir ce que le gars a fait en 10 ans. Et voilà ce que Biya a fait en 40 ans. Et quand je vois les gens dans les plateaux de télévision qui viennent raconter n'importe quoi pour essayer d'améliorer la galerie, ça en fait la peine. Aujourd'hui, au Cameroun, les avocats n'ont plus de valeur. Les avocats n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un avocat a un client, le client peut directement voir un magistrat et le magistrat prend l'argent et il rend le verdict. Allez où je vous parle. Dans le Noun, à Foubaine plus précisément. Il y a un magistrat qui a libéré quelqu'un qui a tué. Dis bien tué, magistrat. Il a été libéré parce qu'il a eu l'argent. Tué quelqu'un. Voilà ce que nous vivons comme nous. Et c'est pour ça que j'ai dit que le programme de Kamto, si jamais il est au pouvoir demain, va danser. Il serait la première personne à rentrer, à danser et tout ça, machin. Mais aujourd'hui, quand on arrive au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, évidemment, ça n'a pas été facile de voir la misère, la pauvreté. Les gens qui défilent chez nous au palais pour quémander l'argent. Pourquoi la misère?
Pourquoi les autres pays africains, comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, pourquoi ils s'en sortent? Pourquoi il y a des routes? Pourquoi il y a des écoles? Pourquoi on paie cher les professeurs? C'est parce qu'il y a la bonne gouvernance, il y a la tenance. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages sur, par exemple, la position que j'avais prise par rapport à Franck-Pierre. Je vous dis, Franck-Pierre me connaît. Personnellement, ce n'est pas quelqu'un que je vais aller machin chercher à connaître. Il me connaît quand il était avec moi à la Son Jeunesse. Donc, quand je donne une information sur lui, ça veut dire que c'est une façon crédible. Est-ce que ce que j'entends, ce que je suis à la télévision camerounaise, parce que tout le jour, depuis qu'on a mis le fils de Idi Déby en Côte au Sénégal, où c'est encore là, au Tchad, les gens, les membres du gouvernement de RDPC ne parlent que de.